Bonjour, mesdames. Je suppose que vous savez déjà pourquoi vous êtes dans cette situation. Vous avez essayé de fuir. Et vous avez échoué misérablement. Et grâce à mes hommes très réactifs et parfaitement entraînés, et grâce à ce collier de chien que tu portes à ton cou, Lily, on te garde là où on veut, et comme ceci, tu ne vas nulle part. Madame, il y a eu un nouvel événement. Comment ça, il y a eu un nouvel événement ? Alors, vas-y ! Voyons ça. Et maintenant ? Tu es sûr que tu es prêt à mourir ? Fais-le ! Diego, oncle Damian. Il ne reste plus beaucoup de temps. Avez-vous une surprise pour moi ? Tic-tac, tic-tac. Allez, tue-moi ! Je vais te donner ce que tu veux, tu m'entends? Mais avant, tu dois me promettre de laisser Lily s'en aller! Diego! Non! Oh, bien sûr, sans problème. Mais tue-moi! Fabuleux, enfin! Elena, tu n'es qu'un monstre! Espèce de monstre! Ils ont finalement décidé. Effectivement. Quoi? Bien, bien. Lily, ce sont les règles. Ah. Ta mère va mourir à présent. Non, non! Au revoir, Camilla. Non, 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 vous m'entendez? Je ne vous laisserai pas assassiner ma mère. Mais hélas, tu te trouves dans une impasse. Mais enfin, tu vois bien que la partie est terminée, Lily. Mais ma chérie... C'est bientôt parti. Chérie, parti. Ça rime assez bien. Papa! Quoi? Écoutez-moi, laissez-moi voir ma fille, s'il vous plaît, avant de mourir, je vous en prie. Où est Lily? Lily! Maman, non! Maman, maman, ne t'inquiète pas, non, tu ne mourras pas! Tu ne mourras pas, maman, je ne laisserai pas ma mère mourir! S'il vous plaît, ne faites rien à ma mère, s'il vous plaît, tuez-moi à sa place, laissez ma mère partir! Emmenez-moi, tuez-moi à sa place! Lily! Non! Non, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, ne lui faites pas ça, non! Non! Ne faites pas de mal à ma mère! Non, ne lui faites... S'il vous plaît, coupez le son, je ne veux pas qu'ils entendent ça. Papa! Lily Cruz doit mourir avant que tout soit fini. Allez, envoyez le gaz. Allô? Allô? Teste le micro. Teste, allô? Testez le micro. Ils peuvent m'entendre ou pas? Brûlez-la! Brûlez cette sorcière, brûlez-la! Allez, brûlez-la! Maintenant! Brûlez-la! Ah! Brûlez-la! Brûlez-la! Non! Arrêtez tout. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ferme-la, je suis celui qui l'a enlevée. Non! Donc c'est à moi de décider quoi faire avec elle. Non, non! Pas comme ça, ce serait trop simple. Tu sais qu'elle ne doit pas mourir aussi facilement. Remettez-moi le son tout de suite. Non! Romulo! Éteignez la machine. Non, Rulio! Non, Romulo! C'est mon terrain de jeu! C'est moi qui commande ici! Je contrôle tout et tu n'as pas d'ordre à donner! Tu vas me laisser brûler vive, alors s'il te plaît! Laisse ma mère vivre et s'en aller! Mon Dieu, Lily! Est-ce que je dois te fracasser le crâne avec ma couronne pour que tu saches une bonne fois pour toutes qui est la reine? Hein? D'abord, je tuerai ta mère, et ensuite, ce sera ton tour. Non! Non! Romulo, mets en route l'incinérateur. Romulo, maintenant! Allez, brûlez-la! Oui, vas-y, vas-y! Non! J'ai dit non! Non! Grand-père, je vous ordonne d'arrêter! Maman! Romulo! Non! Toi, je t'ai dit de remettre le son. Non! Je parle à Romulo. Je t'ordonne de tout arrêter. Non, Rulio! Toi, Elena! Tu n'es pas le seul joueur dans cette ère de jeu, figure-toi. Souviens-toi bien, nous sommes une famille unie et nous devons décider de leur sort final. Tous ensemble, que ça te plaise ou non. Alors, tu es toujours en vie? Alors, Dragon Rouge! Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu dois libérer Lily maintenant! Beau boulot! Ça t'a pris assez longtemps, mais beau boulot. Dis-moi où est Lily? J'ai bien joué le jeu, je crois. J'ai tué Damian. Maintenant, je veux voir Lily comme vous me l'avez promis. Si tu penses qu'elle est toujours vivante, alors va la chercher. Mais rappelle-toi ceci. Tu ne reverras jamais Lily Cruz vivante. T'es un vrai dur. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? J'ai essayé d'être un peu juste. Ah, juste? Juste envers qui, hein? Juste envers Lily ou juste envers ton ego? Tu n'as pas entendu ce que ton petit-fils a dit tout à l'heure? Ne l'applique pas dans cette histoire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Si tu veux être mon partenaire, alors il va falloir que tu apprennes vraiment à faire des compromis. Elena, ma chère et idéale partenaire, on dirait que tu ne comprends rien du tout. Est-ce que tu veux que je t'explique la vérité, hein? Je possède dans ma tête une liste infinie de moyens pour faire joliment souffrir un ennemi. Elle n'a pas besoin de ton pauvre petit feu. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais lui asséner des coups répétés à la tête jusqu'à ce qu'elle tombe d'une commotion cérébrale de mes propres mains. Je veux dire, de nos propres mains. Excuse-moi, pardon, ma langue a fourché. Oui, de nos propres mains. Et ensuite... nous allons jouer avec son cerveau d'abord, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer du tout ce qui est bien de ce qui est mal. On va lui faire perdre la raison, comme elle l'a fait avec mon petit-fils. Et alors quoi? Et alors, nous allons rire à gorge déployée, ma chérie, parce que les Ardientes, tu vois, sont ceux qui rient toujours les derniers. Tu vois? Tu sais quoi? Je devrais préparer mon éloge funéraire pour Lily Cruz. Mais à cause de toi! Voilà! Elle est encore vivante et elle empoisonne toujours notre air. Grand-père a pris ses décisions et on ne peut rien y faire, hélas. Tu sais parfaitement qu'il a fait ça pour toi. Et alors, ma grand-mère, elle est de ton côté, non? Parce que papa a mis toutes ces idées stupides dans le cerveau de maman. Comme par exemple celle de torturer Lily Cruz avant de l'exécuter. Mais vous ne pouvez vraiment pas comprendre et réaliser qu'elle devrait être morte à cette heure-ci et que nous allions pouvoir être enfin heureux. J'étais là, tu te rappelles? J'étais sa première victime, j'étais sa première cible. Et je te jure une chose, c'est que je n'oublierai jamais l'enfer qu'elle m'a fait traverser. Et maintenant que mes souvenirs sont de retour, tout ce que j'ai souffert est encore frais dans mon esprit, comme si ça venait juste de m'arriver. Donne-moi une bonne raison de te faire confiance. Arnaldo... je t'aime tellement. Et ça, c'est ton prêt. Ivy Aguas. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui, Arnaldo, je veux t'épouser. Oui. Mais enfin, Diego n'est qu'un ami. Arnaldo, je ne suis qu'à toi et tu le sais bien. Je t'aime vraiment, c'est pour ça que je veux t'épouser, Arnaldo. Est-ce que vous, Ivy, prenez Arnaldo pour être légalement votre mari devant la loi? Arrêtez ce mariage! Non, je ne t'aime pas! Je ne t'aime pas! Je n'aimerai jamais un démon comme toi! Tu n'es qu'un démon! Tu n'es qu'un monstre! Et je ne t'aime pas! Tu as raison. Oui, je l'aime. J'aimerais aussi la voir mentir. Elle m'a ridiculisé d'une manière plus qu'abjecte. C'est pour ça que je veux la voir ramper à mes pieds et supplier pour sa vie! Je veux qu'elle soit mon esclave. Mais toi, d'un autre côté, je comprends bien que tu es juste prisonnière de la loyauté pour grand-mère. Mais moi, toi et grand-père, nous partageons le même sang. Nous voulons tous la même chose. C'est que cette immonde garce de Lily Cruz perde tout à fait la raison. Je dois y aller. Pourquoi tu dois y aller? Arnaldo, où est-ce que tu vas? Qui s'est débarrassé du corps de Damian? Patron, c'est Ramirez et Salazar. Ramirez et Salazar, ok. Patron, qu'est-ce qu'on fait de lui? On devrait le tuer avant qu'il tente de s'enfuir. Ça va, calme-toi, calme-toi. Nous devons attendre les ordres du patron. Mais nous le ferons, crois-moi. Mais surveillez-le. Il pourrait essayer quelque chose. C'est bien compris? Je vais appeler le gouverneur. Laissez-moi sortir d'ici! Vous n'êtes qu'une famille de criminels! Laissez-moi sortir! Ferme un peu ta gueule! Arrête de crier! soyez maudits. Soyez tous maudits. Où va ton fils, dis-moi? Je ne sais pas, maman. Parfois, en tant que mère, j'ai du mal à contrôler mon fils. C'est la faute de papa. Il a gâché et pourri Arnaldo. Ton père a, sans exagérer, détruit la vie d'à peu près tous les gens qui vivent ici, dans cette ville. Maman, qu'est-ce que tu fais ici à rester sans rien faire? Tu ne peux pas le laisser tout contrôler. J'ai besoin d'un peu de temps. 1 heure avec Rulio et comme 1 an en enfer. Mais fais attention, maman. Tu sais bien que papa est capable de te trahir. Oui, j'en suis très consciente. Mais j'ai appris de mes erreurs, tu sais. Et je n'oublierai jamais de ma vie toutes les terribles choses qu'il nous a faites. Et je ne lui permettrai plus de nous faire le moindre mal. Rulio. Oh! Quand Rulio t'a emporté loin de moi, il m'a en même temps emporté mon âme. J'étais furieuse et je suis devenue folle alliée. Mais ce jour-là, le dragon rouge était né. Le chef de syndicat le plus féroce de tout le pays. Si Rulio ne t'avait pas enlevé, s'il ne m'avait pas privée de mon bébé, je ne serais jamais devenue comme ça. Avant ça, tout ce que je voulais, c'était juste être une bonne mère. Pour que nous ayons une vie simple et tranquille. Pourquoi tu dis ces choses-là, maman? Tu commences à avoir des regrets? La vie m'a confrontée à de nombreux défis. J'aurais pu facilement choisir de pardonner, de guérir, d'enterrer ma colère, mais au lieu de ça, j'ai embrassé cette colère et cela m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Si on me donnait une autre chance, je ne changerais rien du tout. Parce qu'à la fin, je t'ai retrouvée. Oui, je t'ai retrouvée. Et je ne te laisserai plus jamais repartir. Je ne permettrai à personne de nous gâcher nos vies ou de nous faire du mal. Née à cette Lily Cruz, et certainement pas à Rulio Ardiente. Je t'aime tellement. Je t'aime. Soyez maudits. Soyez... Et si quelque chose de grave se produit demain? Ou un autre jour? Et si nous n'avions pas un Diego, avenir heureux? Ne dis pas des choses pareilles, je t'en prie. Lily, on ne peut être sûr de rien. Tu le sais bien. Nous n'avons aucun contrôle sur l'avenir. Mais nous avons ce soir. Lily Cruz, veux-tu m'épouser? Oh oui. Bien sûr, je le veux. Lily! Maman! Lily! Ah! Diego! Lily! Oh, je nous vengerai. Je vous tuerai tous. Je vous sauverai, Lily. Toi et ta mère. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je vous sauve des Ardientes. Anna. Anna, s'il te plaît. Je suis désolé de ce que je t'ai dit. En fait, c'est toi qui avais raison. Nous devons absolument s'entraider pour trouver Diego et Lily. Merci, Marlon. Anna ? Arnaldo, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Lily. Tu sais quelque chose ? Je ne suis pas sûr parce que je n'ai toujours pas vu mon grand-père. Maman et grand-mère non plus, d'ailleurs. Quoi ? Et est-ce que tu crois qu'ils ont kidnappé Tante Camilla et Lily ? J'en suis sûr. Les Ardientes sont derrière tout ça. Ne lui fais pas confiance, Anna. C'est un Ardiente, lui aussi. Allons, monsieur Danny. Nous savons tous très bien qu'Arnaldo n'est plus le même qu'avant, désormais. Parfait. Si vous êtes vraiment un homme meilleur, tâchez de découvrir rapidement où se trouvent Lily et les Ardientes. Sinon, alors on devra absolument fouiller toute la forêt. Parce qu'apparemment, c'est là qu'on les a vus pour la dernière fois. Ça a l'air vraiment très risqué. S'il vous plaît, ne partez surtout pas sans armes. Vous pourriez être blessé.